quand je l'ai fait, c'est pas la nostalgie. C'est pas la nostalgie, c'est la mémoire. C'est la mémoire de ma grand-mère, quoi. À force de raconter ce qu'elle disait comme blague et tout. Haïti, chemin mère, si martyr 6 et Gansevel. Haïti, chemin mère, oi veille vi pite, ben si fel. Il n'a d'or d'un qu'un gars, vous si rôde, il n'or baisi. Oi veille vi troye Susan, ven si guet avec Sugi. In Wasser, in Feuer. Je me suis rappelé quand on m'avait amené au théâtre Yiddish, rue de l'Entrepôt, pour voir les Pornspiel. À cette époque-là, je comprenais beaucoup mieux le Yiddish que ce qu'on comprend maintenant, parce que je ne parlais que cette langue, ce jargon avec elle, quoi. Ouais. Et non seulement je parlais, mais je rêvais aussi en yiddish. In Wasser, in Feuer, wollt sie gelaufen, war ihr Kind. Nicht um sie teuer, du siehst gewiss, die Gräste sind. Oi, wie glücklich in Reihe ist der Mensch, wo sagt, als ein Scheine mit ohne Geschäft in Gott. Nur ein altes jüdische Mame, 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 oui et non, parce que petit à petit, les Ashkenazes n'ont plus été à la synagogue, ils ont été remplacés par des séfarades. De toute façon, moi j'ai appris très tard qu'il y avait des juifs séfarades. Je croyais que tous les juifs étaient... J'étais un peu con pour ça d'ailleurs. Je pensais que tous les juifs avec quelqu'un de déporté, et celui qui n'était pas déporté ne pouvait pas être juif, tu vois ce que je veux dire. Dont les parents n'auraient pas été déportés, ils n'étaient pas juifs, quoi. Enfin. Non, c'est comme si j'avais toujours été. Je retrouvais là-bas ma grand-mère. Mes tantes, mes petits cousins, oui. Der Mensch wusat, als ein Scheine mit ohne Geschäft in Gott. Nur ein altes jüdische Mame. Que l'architecture, ça pourrait être un temple shivaïque, par exemple, où évidemment il y a l'élément gothique dedans, synagogue occidentale. Et non, mais il y a deux référents essentiels. C'est le lustre et on pose les yeux sur le personnage, on sait où on est.
la solitude, le rapport de proportion comme ça, comme si, la mysticité liée à ce rapport entre cet espace qui est en lui-même l'expression plastique de la prière. Et puis, cette lumière, la lumière est là, la présence. Il y avait une qui était là, c'est la synagogue de la rue Pavée. Ensuite, il y avait celle de la rue des Tournelles. La synagogue des iconoclastes. C'est le titre d'un roman, de nouvelle, d'un écrivain argentin. Voilà. Et puis, partant du principe que un juif converti, c'est peut-être un catholique de plus, mais c'est pas un juif de moins. Donc je me suis dit, c'est pour tous les gens qui reviennent à la foi juive, soit par nostalgie, soit parce que ils ne savent pas qu'ils ont un ancêtre qui l'est, ou qui se sentent tout d'un coup attirés par ça, par quoi? Par, ne serait-ce que par le titre, hein, et qui voient mes synagogues, que ça va leur faire quelque chose, peut-être, je sais pas. Puis pour moi, que ce soit comment te dire, c'est un peu de la Yiddishkeit que je retrouve en moi, quoi. C'est, voilà. Tu sais, je crois qu'il faut, si ma mère ne m'avait pas circoncis en pleine guerre, peut-être que je n'aurais pas eu un petit peu ce côté mystique, tu vois, l'alliance avec Dieu. Sachant déjà ce qui arrivait aux Juifs, elle fait circoncire son môme. Tu vois, je veux dire, c'est. Voilà. Alors donc. Donc, la toute présence du divin vient vous rappeler que vous êtes infiniment disparaissant. Au moment même où vous invoquez le divin qui n'a pas de nom, qui a sept noms, mais surtout qu'il ne faut pas dire. Quoi qu'il en soit, on revient à la peinture. C'est-à-dire que c'est si ce qu'on peut raconter, ça s'évanouit, ça disparaît, on ne peut pas le fixer. Pour moi, non, c'est pas un thème religieux, c'est un. Non, c'est. En réalité, c'est un thème qui convient à ma peinture, c'est tout. Et à ma façon de vivre, tu vois ce que je veux dire. Comme j'ai fait le cirque, comme j'ai fait les bordels, comme j'ai fait les cafés, comme voilà, des lieux de rencontre, des lieux où, voilà, que j'ai envie de peindre, où je me sens à l'aise dedans. Donc je me sens à l'aise, c'est dans les synagogues, et surtout celles-là qui sont des réminiscences de mon enfance. Oui, tout ça, c'est du théâtre, de toute façon. Et puis la vie aussi, c'est un théâtre. Hein? C'est comme. Tout ça, c'est du théâtre. Tout ça, c'est du spiel. Thank you.
le médium escavade toujours pour la voir. A priori, tu es peintre et tu risques d'être sujet aux iconoclastes. Bien sûr. Hein? Et quel effet ça te fait? Bon, pour moi, quand je me suis retrouvé à Jérusalem et que j'ai dessiné dans une synagogue, alors on m'a dit, mais vous travaillez le jour du Shabbat et en plus, vous dessinez. Je dis, non, je ne dessine pas, je prie. Belle réponse. Thank you.
merci. Moi, je suis assez content là, de la matière. Du revu de la bougie. Et là aussi, hein, c'est comme une qualité à Chambord. Ouais. C'est comme il y a des. C'est comme si tu veux. Je crois que, je sais pas si tu l'avais vu, j'ai retravaillé sur une, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Ça c'est quand il va reprendre des vêtements chez les autres, chez le jeune pour faire du fric. Et puis les histoires de basse-cour, de coq, de bouffe, toutes ces façons qu'il a d'essayer de voler les autres et de les escroquer, mais voilà. Et tout ça c'est devenu comme ça que ça. Tu vois, regarde le personnage qu'il a. Hein, ça devient au fur et à mesure de l'histoire. Et, tu vois, on le voit bien là, le personnage là, tu vois, là. Et tout ce qu'il a dans la tête et tout, et puis en plus il pense toujours à la bouffe, alors donc au coq, tu vois, c'est comme un coq de village, puisqu'il a été aussi comment dire, chez l'autre petit qui est un autre personnage, hein, de playboy, une sorte de playboy de l'époque. Alors il le flatte et tout comme un jeune coq, tu vois. Je veux dire, bon, c'est ça, tout ce qu'il a dans la tête, tout ça pour essayer de me fourguer le. Enfin, bref, je sais pas, mais c'est ça, quoi. Toute la ribambelle, là, tu vois, ça fait comme les choses de Masson, des personnages, tu vois, ou de Michaud, ou de Machon, ou. Bon, bref, tu vois, les petits Kantorowicz qui se baladent. Tu te souviens au début quand j'exposais chez. À Amsterdam, chez Cricard, quand je faisais des personnages, on disait toujours que mes dessins, on retrouvait mes modèles dans la rue. Je lui disais, mais quelle gueule ils ont. C'est un peu pareil, je suis revenu comme ça, ça, une sorte de figuration abstraite. Enfin, ça ne veut rien dire, c'est une figuration abstraite. Et tu vois, ça, donc, je ne vais pas toujours en mettre des couleurs, tu vois, mais de temps en temps, tu vois, ça va ponctuer, je vais ponctuer avec de la couleur, mais toujours je reste en noir et blanc, tu vois, comme ça, comme celui-là, j'aime aussi beaucoup celui-là, tu vois, il était, je me souviens comme c'était difficile, hein. Heureusement que tu m'as poussé à le finir, parce que sinon, je ne sais pas comment je l'aurais tourné, mais comme on a discuté tous les deux, ça m'a poussé. J'ai refait les collages dessus, et ça a marché. Regarde. Ça, c'était un des premiers. C'est un des premiers. Ça doit être le troisième. Hein? Parce que là, j'ai gratté, tu vois. J'ai vraiment fait de la. Je suis arrivé comme si c'était une plaque de métal, finalement. J'ai fait une gravure là, c'est comme si c'était une plaque de métal. J'ai gratté le noir pour arriver au blanc. Hein, donc. Et j'ai bien aimé tout ce petit travail là. Ça c'était sympathique. Et puis là aussi, tu vois, dans cette.
dans ces petits rappels comme ça, les petites chairs de mouche comme ça. C'est un mendiant. Voilà. Dans le Stettel, voilà, il y a des mythes, il y a des personnages emblématiques, disons. Et le plus emblématique, c'est le Schnorrer. Et pourquoi est-il si emblématique? Le Schnorrer, il a le bagou, quoi. Le bagou, oui. Il a le bagou, il parle comme tout le monde, pas. Mais lui, il parle, il est pauvre, il a besoin de vivre, il raconte des histoires, et il apporte toute la... tous les songes, les rêves, voilà, l'esprit du Stettel, l'esprit de la communauté. De la communauté. Le dernier, ce que je suis en train de faire là, c'est celui-là, il n'est pas terminé, c'est un début. Tu vois comment je sais. Là, il faut que je reprécise les personnages et tout, etc. Mais l'essentiel est venu, je vais encore faire des collages pour revenir au blanc, pour... c'est un peu embrouillé là, donc je vais ressortir ça, je le mets. Je vais plus à plus. C'est quand. Voilà, c'est. Il faut quand je retravaille la situation, que je les mette bien en situation. Là, on la sent pas encore, la situation. C'est bon. C'est aussi quand il rencontre le personnage, quand il va au marché, qu'il rencontre sa victime. Enfin, je dis sa victime, mais bon, lisez bien, tout au début. Ma grand-mère, quand je lui ai dit que je voulais être un peintre, elle avait Gérard Philippe, parce qu'il me disait, elle me dit, à Schnorrer, je veux devenir un Schnorrer, tu veux aller, artiste. Achetez-moi un pioc, achetez-moi mon dessin, pour aller voir les cours, les femmes, c'est tout. Pour elle, j'étais devenu un Schnorrer, si je ne devenais pas, je serais devenu un Schnorrer. Donc le mot Schnorrer, c'était ou tu deviens un mensch ou tu deviens un Schnorrer. Mais un Schnorrer pourrait être que. Et Israël Zambouille fait qu'un Schnorrer pouvait devenir un mensch. Et toi, et encore, le roi des Schnorrers peut devenir un super mensch. Comme Superman, c'est à lui.